tous, on se retrouve pour un nouveau live pour One Deck Dungeon. Vraiment, j'ai tout installé, j'espère que ça va pas trop bouger aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pris la Rebelle, je crois. Je crois que c'est ça son petit nom. Ouais, Rebelle. Et du coup, on va pouvoir commencer. Normalement, j'ai tout mélangé, j'ai tout installé, j'ai tout fait. J'ai ma petite potion ici. On y va. Du coup, on va défausser 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Plus 2 pour commencer le premier tour. Et là, je vais déposer du coup 4 cartes. Encore 2 cartes. Et nouveau tour. Donc, on va révéler cette carte-là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tac, tac, tac. Donc, soit... Donc, c'est une porte verrouillée. Soit on essaye de la crocheter. Soit on la défonce. Et ben, écoutez, on va essayer de la crocheter. Donc, on dépense un temps. Et on prend 4 dés rouges. 1, 2, 3... et 4. Et c'est parti. Je suis toujours aussi formidable sur le lançage de dés. Du coup, là-bas, il me faut combien? Il me faut un 2. Ok, un 2 ici. Et du coup, là, il me faut 8. C'est bon, j'ai 6 et 2, 8. J'ai même 11. Okay. Bon. Donc, c'est bon. Ça passe. Du coup, soit je prends un objet pour avoir un dé bleu supplémentaire, ou alors la capacité d'en gagner un dé un dé noir 6. Ah, c'est fort ça quand même. Ah oui, mais il faut 3 dés violets. Ou alors je prends 2 points d'XP. Bon, écoutez, on va tout de suite se prendre. Hop. Ça glisse. Voilà, normalement, vous voyez. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est bon. Hop. Je récupère ça. Et je récupère ça. Donc, 1, 2. Et on va révéler ceci. Ah, c'est encore un piège. Ah, bah, c'est encore une porte verrouillée. Donc soit on fait crocheter, soit on fait défoncer. Bon bah on va encore crocheter hein. Hop. On reprend nos 4 dés. On va mettre un 5 ici. Et là j'ai largement 8. Donc c'est bon. Ça aussi c'est réussi. Hop, ça je reprends. Tac. Et là, du coup, je vais... C'est quoi la capacité, là? Capacité, lancer un dé noir. Si on a un 3 bleu. Si on fait un 3 bleu, on peut lancer un dé noir. On va le prendre. Hop. Ah, attendez, parce que hop, voilà, vous voyez toujours, ouais, c'est bon. Ok, bon, 1, 2, et on va révéler ça. Ah, c'est un monstre. Alors, qu'est-ce qu'il dit lui? C'est quoi comme monstre? C'est un bandit. Défausser, esquive, et défausser 3 dés au lieu de 2 pour avoir un Edouard, d'accord. Ok, donc là il faut surtout du rouge et du jaune. Et jaune, j'ai qu'un seul des jaunes. Et là-bas il faut du jaune aussi, donc non. Donc non, on va pas le faire pour l'instant. 1, 2, on va révéler ça. Ah, on va essayer du coup. Est-ce qu'on essaye le 14? Donc là c'est quoi? C'est un rocher. Donc on va essayer de
courir plus vite. Je peux ralentir le temps. Ouais, j'ai deux dés bleus. Non, j'ai trois dés bleus. Ouais, j'ai trois dés bleus. Ah. J'ai trois dés bleus pour faire 11 ou 4 dés. Comme ça. Ouais, on va plutôt essayer de faire. On va essayer plutôt du coup de faire courir plus vite. Sachant que j'ai mon pouvoir. Hein. Donc là, si je veux mon pouvoir, en fait, je peux lancer un ou deux dés noirs. Et si ça tombe sur des 1, je perds de la vie, etc. Donc on va lancer, avant de commencer, un dé noir. C'est un 2. Ok. Donc je le garde. Et donc le 2 même, je vais le mettre ici. Et donc avec 4 dés, il faut que j'essaye d'avoir 14. J'ai 13. J'ai 13. Oh non. J'ai que 13. Au lieu de 14. Ok, donc c'est perdu. Je perds 4 vies. 4 vies directes. Ah, ça me dégoûte à un point près là. Je perds 4 vies et on perd un temps. Quelle tristesse. Et du coup. Je peux avoir combien de. Je peux avoir deux compétences. Celle-là elle est quand même pas mal. Ou alors j'essaie de monter de niveau. Là, je gagnerai un dé noir à tous les coups. Et ça, c'est super. On va la prendre. Hop. Comme ça. Hop. Bon. Ça va là. Moi, je ne veux pas le faire. Donc, je vais faire 1, 2 et je vais explorer. Tac. 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 1, 2 et on va révéler ça. Ah, c'est un piège encore. Alors. Je reprends ça. Oui, mon quatrième, il est là. Du coup, je peux soit face à ce piège à ours, soit le désarmer, soit sauter par-dessus. Sachant que de base, hein, j'ai gagné un dé noir. J'ai gagné un dé noir. Gagner un dé noir, donc là ça me ferait. Ah mince, j'ai oublié de me. Je voulais utiliser ma potion, j'ai oublié, je le fais au début du tour pour m'en enlever 3. Je voulais le faire. J'ai complètement zappé, mais je le fais. Voilà. Donc du coup j'ai dit que je voulais. C'est combien? 11? 8? 6 ou 11? Je vais essayer. De sauter par-dessus. Je vais essayer de sauter par-dessus. Donc de base, j'ai 4 dés comme ça. J'ai un dé noir. Et on va lancer un autre dé noir. Ma capacité héroïque là. Faut pas que ce soit un 1. 2. Donc je le mets là. Donc avec 5 dés, il faut que j'arrive à faire 11. Vous allez voir que je vais faire 10. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est largement bon. Du coup, là, je suis obligée de le mettre ici. Hop. Donc, ça fait 2 ici. 2 sur 6. Hop. Ça, je reprends. Je dépense de temps. Et on va aller voir ça. Ah, bah, c'est encore un piège. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mur de flèches. Donc, soit on fait bouclier magique, soit on fait foncer. Bon, on va faire foncer, hein, directement. Donc, comme d'habitude, on a nos 4 dés plus un dé noir. Et on va lancer un dé noir supplémentaire pour notre capacité héroïque.
faut pas que ça tombe sur un. Donc je perds une vie. Je perds une vie et trois temps. Un, deux, trois. Donc j'ai un 1. Déjà. Et on va commencer le reste. Bon. Ouais, c'est bon. Hein. Tac. Et là, tac, tac, tac. Bon, c'est fait. Donc j'aurais pas dû lancer ce dé. C'est pas grave. Hop. Du coup. Ça c'est bon. On va l'ajouter du coup à ici. Donc on a 4 sur 6 au niveau des XP. Donc 1, 2. Et on va arriver à celui-là. Oula. Oula, alors celui-ci, voyons ce que ça donne. Faut quoi? Faut surtout du bleu et du jaune. Moi, jaune, j'ai 1 et bleu, j'ai 3. Non, bah je fais pas. Hein. Clairement, je fais pas. Ok. Quand je fuis, ma capacité ici, quand je fuis, je peux révéler une. Je peux révéler une carte, c'est ça? Non, je peux ajouter. Qu'est-ce que c'est déjà? Quand vous fuyez, vous pouvez ajouter une porte au donjon à la place. Si une place est libre. Donc je vais faire ça. Donc du coup, 1, 2, et on va révéler ça. Ah ouais, mais non en fait. Non, ça me plaît absolument pas. C'est encore du bleu et du jaune. Donc ça ne me plaît pas. Donc on fait 1, 2, je révèle une porte ici. 1, 2, et je vais la révéler. Oh punaise. Punaise, punaise, punaise. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux juste pas, quoi. Je veux pas. Je veux pas. Je veux pas faire ça. Donc, non. Donc, je m'arrête là. C'est la fin du niveau. On reprend tout ça. On mélange. Et on passe au niveau 2. Alors on est forte quand il y a des pièges, mais pour battre les méchants, là pour l'instant, c'est pas ça. Ok. Donc, du coup, début, on défaut 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 de plus pour le début de la première manche. Et. Bon, je vais la prendre en premier, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et je vais révéler ça. C'est encore un piège. Non, c'est dans ce sens-là, je crois. Du coup, c'est quoi comme piège cette fois-ci? C'est une statue de flamme. Ok. Bon, on va esquiver, hein. On va esquiver. Il faut faire 14 quand même, hein. Mais. Ok, on va esquiver. Donc, mes 4 plus 1. Là, il y en a 5. Là. Qu'est-ce que je raconte? 4 plus 1. Est-ce que je lance un dé supplémentaire? On va tester avec notre capacité héroïque. Allez, pas un 1 là. 2. Ok. Donc, je vais mettre le 2 ici. Il faut quoi l'autre? L'autre ligne, c'est quoi déjà? C'est un 6. Sinon, je prends un dégât. Ok. Il y a un 6 ici. Ah, attendez, parce que... faut faire 14. Ouais, attendez, parce que... Bah, du coup, je vais prendre un dégât, parce que... Là, j'ai 6, 10, 13, 14, 15. Donc, ça, c'est bon. Donc, je vais prendre juste un dégât. Parce que j'aurais pas fait ce truc là. Heureusement que j'avais ce dé supplémentaire. Oh punaise, il est tombé où? Alors attendez. Excusez-moi. Donc du coup, ça c'est fait.
Et du coup, on est obligé de le mettre ici. Et ça fait 7. On avait besoin de 6. Donc ça, c'est défaussé. Et on passe au niveau 2. On a droit à 3 objets. 3 compétences. Et on a un dé noir supplémentaire. Je vais mettre là. Ok. Et une potion. Une potion, très important, que je vais utiliser tout de suite pour me guérir de 3. Voilà, c'est bien. Tac, tac, attention. Ok. Donc, 1, 2, on va révéler ça. Hop là, alors, c'est un piège. C'est un piège, soit 6, soit 11. On va essayer. Alors, c'est quoi comme piège? C'est un casse-tête de runes. On va essayer de le déchiffrer. Donc, on sacrifie 2 temps. 1, 2. Et on va lancer les dés bleus. Donc, les dés bleus, j'en ai 3. Plus ici mon dé noir. Plus ce dé noir qui est là. Ok. Écoutez, on va faire 6 comme ça. Je vais mettre 6 et 6 ici. Donc c'est bon, ça passe. Hop. Donc du coup là c'est une potion qu'on pourrait potentiellement gagner. Ou du jaune. Moi je pense que je vais prendre le jaune hein, parce que je suis un peu en manque de jaune. Relancez tous vos 1 et vos 2. C'est un dé. Ouais, mais les potions, on n'en a pas beaucoup. Quoi. Donc, non, je vais le prendre comme un objet pour récupérer. Hop. Un deuxième dé jaune. Voilà. Hop. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait tomber comme des... Oh, punaise. Il est là. Voilà, c'est bon, j'allais. Je suis très maladroite. Ok, donc ensuite, on va faire 1, 2. Et on va révéler celle-ci. Yes, encore un piège. Encore un piège. Donc, comme d'habitude, on va y aller avec le rose. Donc là, c'est quoi? C'est une fosse de pique. On va sauter par-dessus. Donc, faire un 14. Un 14. Donc de base on a 4 violets plus ici un noir plus ici un noir, ça fait 6 dés. Et on va tester notre capacité héroïque. Là on va lancer un dé. Non, pardon, c'était pas un noir. J'ai cru que c'était un noir. Voilà. Allez, aussi bien. Yes, un 5. C'est bien ça. Un 5. Alors attendez. Ah, j'en ai encore fait tomber un, c'est pas possible. Il est tombé où? Là-bas. Hop. Je cache des dés partout. Alors. Donc, on a dit qu'on avait un 5 de base ici. Donc, le 5. Bon, bah, forcément, il va aller là. Hein. On va laisser le reste. Lancer le reste. Donc, il me faut un 3 ici. Donc on a dit qu'il fallait combien? 14, 5, 10, 14. Et je vais prendre juste un dégât parce que je n'ai pas pu faire de 6. C'est de 6 hein, qu'il fallait faire. C'est un 6 qu'il fallait faire, pas un 5. Ouais, c'est un 6. Donc, je prends quand même un dégât. Mais j'ai réussi à la faire. Dommage pour le 6. Tac. Tac. Alors. 3 d'expérience quand même. Est-ce que j'ai besoin encore d'un 4e bleu? Non, on va le prendre en point d'expérience. 3 ici.
3 sur 8. Ouais, c'est 3 sur 8. Donc, on va faire 1, 2, et on va révéler celle-là. Non. Non, 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 non. Je ne valide pas. Donc, on va faire 1, 2. Je vais faire 1, pardon. 2, 3. 1, 2. Alors, je ne l'ai pas vu, mais sur le principe, on va prendre celle-là parce que voilà. Bon. Ça tombe bien. Allez hop, encore un petit piège. On y va. Il faut faire combien? Il faut faire toujours 14. On va prendre la même technique, hein. Donc 4 dés violets plus le dé qui est là, le dé qui est là. Et on va lancer un dé noir supplémentaire. Il faut pas faire un 1, faut pas faire un 1, faut pas faire un 1. J'ai fait un 2. Donc le 2 il va aller là. Et on va lancer le reste. Allez, un 6, il me faut moins un 6, s'il vous plaît. Il n'y a pas de 6. Donc je vais prendre un dégât. Et je fais largement 10, 14. Ouais. Je fais 21, donc c'est, ça passe, mais je prends un dégât encore parce que j'ai pas fait de 6. Faut que je fasse attention quand même. Alors. Je vais essayer de monter rapidement de niveau. Donc on va mettre 6 sur 8 ici. Donc je vais récupérer tout ça. Tac. Je suis bonne pour les pièges, je suis pas trop bonne pour les monstres pour l'instant. Mais bon. Donc 1, 2. Et on va révéler ça. Oh yes, encore un piège. Je fais pas exprès, hein. Je ne triche pas. Du coup, il faut faire combien dans ce piège mur de flèche? Il faut faire 11. Allez, hop. Comme d'habitude, hop. Comme d'habitude, la même technique. On va utiliser ça et on va utiliser un dé avant. 3. 3. Donc, je le mets là et on va voir ce qu'on en fait. Alors, j'ai toujours pas de 6. Donc, je vais encore prendre un dégât. Ça me contrarie. 2 ici. Et 11, bah, je le fais largement. C'est les 6 qui me posent problème. Donc je vais prendre, hop, un troisième dégât. Et hop. Et ça, du coup. Ah, là, je pourrais gagner un jaune. Non, je pense que je vais faire ça. Donc ça me fait 6, 7, 8. Donc je peux passer au niveau suivant. Du coup je gagne une petite potion qui va me permettre d'enlever mes 3 dégâts direct. Pardon, voilà. Je passe donc au niveau 3. Ouais. Et donc là il faut que je fasse 10 pour aller au niveau suivant. Ok, bon. Ok, là du coup on peut avoir combien d'objets? On peut avoir 5 objets. J'en ai 2. Je peux aller jusqu'à 5. Ok. Donc 1, 2. Allez, un petit piège encore. Yes, encore un piège. On a de la chance. C'est un gros piège par contre. Ouais, mais ça donnerait de la vie en plus. Donc on va essayer de contourner le mur de force. Donc on va défausser 1, 2, 3. Et on va faire la même technique que d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'on prend nos 4 dés plus les 2 noirs. Et on va lancer un dé avant. Pas un 1. Non, c'est bon ça, un 6. Je prendrai pas de dégâts ici. Ok. Impeccable. Un 2 ici. Ensuite 10, 14, 15, 16, 18. Je le fais sans problème. Et là, on va prendre directement ça. Donc ça me fait un troisième dé jaune et une vie en plus. Donc je suis à 6 vies. Et ça, c'est très bien. On est vraiment spécialisé dans les pièges. Donc 1, 2. 1, 2. Et là,
je dois défausser deux, donc je vais prendre juste deux ici pour révéler une des deux cartes. On va révéler celle-là. Ah. Alors, est-ce que je m'attaque à ça? Du jaune, je vais essayer. Écoutez, hein, on est là pour s'amuser. Donc, je dois prendre 3 dés bleus plus 4 dés roses plus 3 dés jaunes plus un dés noir ici, Hop. Et on va lancer notre capacité spéciale. Et un 6. Donc déjà on a un 6, c'est déjà bien. Et on va lancer le reste et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, au fond là-bas, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un 5 bleu et d'un 3 jaune. 5 bleu, 3 jaune. 3 jaune, je vais l'avoir. 5 bleu, je vais pas l'avoir pour l'instant. Donc on va voir après. Ici, il me faut, alors les jaunes, il faudrait 5, 5. Ah, j'ai 4, 4. Ouais, super. 8, 8, 3 et 4. Là-bas, ça me fait trop de dégâts. Alors, attendez. Ouais, j'ai pas grand-chose au niveau des roses. Donc attends, les 6, hein. Ah non, il faut 8. Potentiellement, il y aurait le 8 ici. Ensuite, il faudrait un 3 et un 4. Ce sera un 4 et un 5. 4 et 5. Ok, ensuite. Il faudrait 2, 5, 3, 5. 3, 5. J'ai pas du tout ce qu'il faut. Donc du coup mon 6, je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Et du coup, je perds une vie et 3 temps. Donc du coup, si je devais révéler 3 cartes ici. Je crois que je perds 2 vies, je dirais. Je crois, là je fais peut-être une petite erreur, mais hop. Non, dans le doute, on va mettre 3 vies. Je suis pas sûre. Est-ce que c'est une un de vie par carte? Ou c'est... Alors attendez. Ça doit être marqué sur la carte, mais... Donc... Tant qu'elles sont visibles, passez-y 2 cubes de blessure. Pour chaque temps dépensé. Chaque fois qu'il y a 6 cubes ici, placez-en 1. Non, placez-en 1 sur 2 des héros et retirez les 4 autres. Ah non, d'accord, ok. À la fin de n'importe quel tour, les héros peuvent descendre si cette carte est révélée. Passez du temps pour. Ok, non, alors c'est. 4, les héros et retirez les 4 autres. Placez-en 1. Attendez. Tant qu'ils sont visibles, placez-y 2 cubes de blessures pour chaque temps dépensé. Chaque fois qu'il y a 6 cubes ici, placez-en 1 sur 2 des héros et retirez les 4 autres. Ok, alors attendez, il y en avait 2 de base, d'accord? Et là, moi j'avais combien? J'avais une seule vie là. Et là je devais donc mettre 3 temps, donc c'est-à-dire 3 cubes. 1, 2, 3, et ça faisait que 5. Et c'est à 6 qu'on prenait un dégât. Donc normalement, si je comprends bien tout, c'est bon, ça passe et on prend pas de dégâts. Donc, hop,
attendez, j'ai pas regardé la capacité qui était en haut du bonhomme. Comme une idiote. Non, c'est bon. Ça sert à rien. Donc normalement, c'est bon. S'il y en avait 6, j'aurais pris 2 dégâts. Mais là, il y en a que 5, donc je prends pas de dégâts. Est-ce que je prends un cinquième cube? Parce que là, il faut aller jusqu'à 10 quand même, c'est beaucoup. Alors, attendez. J'ai droit à 5 objets, je crois, hein, à ce niveau-là. Ouais, 5 objets. Et là, la capacité augmentée jusqu'à 4 de vos dés de 1. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de dés jaunes. Bon, on va quand même le prendre. Hop. Faut pas que je l'oublie, c'est tout. Parce que j'ai tendance, je pense, à oublier les capacités qui sont là. Parce que là, il y a une capacité que j'ai pas du tout utilisée. Je crois que c'était si on a un 3 bleu, je crois, un truc comme ça. Ouais. Faut absolument que je pense à regarder. Ok. Donc, on s'arrête là. Donc ça c'est défaussé. Et on va passer au troisième niveau. Hop là. Ouais, je vais peut-être pas le garder ce truc, je sais pas. Je réfléchis, là, le temps de mélanger parce qu'en fait, ouais, je... Comme moi je vois pas ce qui est écrit sur les cartes, il faut que je me souvienne de tout. Et est-ce que c'est vraiment malin de s'en souvenir de cette façon? Je suis pas sûre. Je pense que je préférais avoir un dé rouge supplémentaire. Ah, hop. Non, bon. C'est choisi, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Hop. 1, 2, allez, ici, un petit piège, oui, un piège, enfin un piège c'est bien, mais c'est vrai que on va devoir mettre 3 trucs, un 2, un 6 et un 5, donc là il va falloir faire 11 encore, donc comme d'habitude, 4 des roses, 2 des noirs, et on va lancer, j'hésite à en lancer 2, on va lancer 2 des noirs en plus. Les pas de 1, pas de 1, pas de 1. Yes. Un 6 et un 5. Bon, bah ça c'est très très bien ça. Je vais les mettre là. Et c'est parti pour le reste. Oui. Là, donc là, le 6 et le 5, je vais les mettre là. Je sais plus si c'est dans cet ordre ou l'autre, c'est pas grave. Il fallait un 2 aussi. Hop, ici. Et là, du coup, il faut 11. On a 22, donc c'est bon. C'est bon. Du coup, est-ce que je gagne un bleu supplémentaire? Ouais. C'est mon quatrième objet sur 5. Et je gagne un quatrième des bleus. Quatrième des bleus. Alors attendez, parce que c'est très clairement mal organisé ces trucs là. Donc je croyais que j'avais gagné un truc qui me donnait de la vie en plus. Je suis très étonnée là. Attendez, hop. Je vais juste reprendre ces cartes là. Ah si, là, voilà. Alors attendez, on va juste les réorganiser un petit peu pour que ce soit plus facile à lire. Hop, j'en ai 4. Voilà, bon, ça ira à peu près. C'est ça. Ok, du coup, 1, 2, celle-là. C'est quoi? C'est les rats. Alors, il
x égale 4 par porte ouverte. Donc ça, 1, 4. Les jaunes, j'en ai combien? Du coup, j'en ai 3. Bah, on va essayer. Écoutez, ah oui, mais là-bas, il faut 10 jaunes. Ouais, il faut beaucoup de jaunes, en fait, j'ai l'impression. Ouais, moi, c'est pas grave. On va le faire quand même. Donc, 3 jaunes. 3 jaunes. 4 bleus. 4 rouges. Oh, attendez, je revérifie avec mon téléphone parce que ce serait dommage d'oublier des cubes. Donc 3 jaunes, 4 rouges, 4 bleus, plus 1 et 2 grâce ici et ici. Hop, ça il faut que je les enlève. Et je vais lancer. Je vais lancer 2 noirs supplémentaires. Pas de 1. Oui, 5 et 4. Ok, 5 et 4. On y va. Non, mais c'est pas possible, je fais exprès. J'ai envoyé un jaune quelque part, je ne sais pas où. Comme il est jaune, je ne vais pas pouvoir le voir facilement. Donc, bon, j'essaierai de le retrouver. Ok. Ok. Alors, que fait-on? Que fait-on? Donc, on va prioriser sur là où il y a des boucliers. Donc, là-bas, il y a le 10. Là, il y a le 4. Donc là, il y a le 4 direct. Quoique, non, c'est peut-être pas le plus malin. Le plus malin, je pense, c'est d'envoyer 3, 3. Enfin, non, c'est d'envoyer 1, 2, 3. Non. C'est quoi le plus malin? Attendez. Attendez. Bon, attendez, parce que là, ça va m'envoyer. Ouais, ça, je le ferai pas. Donc, on va faire 10 ici. 3 ici. 5 ici. Ensuite, ici. Je vais avoir quoi avec des gros chiffres? J'ai un 6, un 5, un 4, un 4, ensuite, alors les jaunes, je peux dépenser, alors attendez, c'est quoi la capacité du bonhomme? Non, c'est rien. Donc je vais dépenser un 5 et un 6 pour le transformer en 5 noir. Ok, ensuite. 3 et 3. Ouais. Le 3 noir là. Ah mais non, le 3 noir, je peux juste le prendre. Donc le 3 noir, je vais le mettre là. C'est un 3. Hein. Ouais, c'est un 3. Ensuite, du coup, il faut que je mette un 4. Ensuite, j'ai 5, 5, 3. Et j'ai tout fait après, c'est ça? Oui. Ok. Bah, 5, 5, 3, peu importe. Donc, j'ai 6, 5, 5. Hop. Donc, je fais tout. C'est bon. Donc, ça, tout ça. Hop. Tout ça. Hop. Aucun dégât ni rien. J'ai pas regardé. Oui, j'avais en plus
un 3. Un 3 bleu. Ah, il faut absolument que je pense à regarder. Parce que là, j'avais un 3. Bon, j'en ai pas besoin, mais avec un 3 bleu, je pouvais lancer un dé supplémentaire, un dé noir. Donc, du coup, ça, qu'est-ce que j'en fais? Je suis à 4 objets. Hein. Je suis à 4 objets. J'aime pas mettre des trucs là parce que je m'en souviens pas. Mais le paquet est bien entamé. Est-ce que j'arriverai à aller au niveau suivant? Voilà. Hop. On fait comme ça. 1, 2. Comme ça, oh yes. Ça fait plaisir. Hop. Du coup, bah, comme d'hab, hein, on va partir. Ah oui, mais là. Alors attention, parce que là, pour les pièges, il faut 1, 2, 3. Sacrifier 3 trucs. Et là, il faut faire 6 ou 11. Alors attendez, déjà. Donc j'ai mes 4 dés. 3, 4, plus 1, plus 1, grâce à là et grâce à là. Donc j'ai déjà mes 5, 6 dés. C'est sûr qu'il en faut 3 ici. Faire 11 avec 3 dés. Ça risque d'être compliqué. Donc on va assurer en faisant le truc du haut. Donc on va plutôt... On va désarmer le petit chat ours. Donc on va défausser 3 temps. 1, 2 et 3. Et on va aussi lancer un dé supplémentaire pour ma capacité. Hop. 5. Ok. Donc moi mon 5, je pense que je vais le mettre directement là-bas. Le 5, on va le mettre là. Donc il faut toujours un 2 et un 6. Ok. On va voir. Hop, c'est parti. Le 2, c'est bon. Le 6, je l'aurai pas. Le 6, je l'aurai pas. J'ai un 5, c'est dommage. Et là, bon, bah écoutez, le 6, je le fais largement. Hein. J'aurais pu faire le 11, je pense. Ouais, j'aurais pu faire le 11. Tant pis. Mais je prends un dégât. Je prends un dégât. Hop. Ouais. Et du coup. Bah là, il y a un bleu par contre. Est-ce que je me ferais pas un bleu supplémentaire? Je gagnerais bien une vie en plus, moi. Est-ce qu'on vient de cartes? Non, on va le mettre là. On va essayer d'avoir un truc un peu mieux. Donc là, je fais 4 sur 10. Donc, 1, 2, et je vais là. Alors, faut un peu de tout. Et quelle est la capacité de ce monstre? Dépenser un temps pour chaque compétence utilisée. Ok. Alors, si je récapitule, on a 4 bleus, 3 jaunes, 4 rouges, 2 noirs, 3, du très noir. Ok. Et ensuite, on va lancer 2 dés supplémentaires. Faut pas faire de 1. 2 et 4 déjà. Et on va voir ce que ça donne ensuite. Hop. J'ai l'impression qu'on a besoin de beaucoup de bleu quand même. C'est embêtant. Alors, j'ai pas de 3 bleus déjà. Donc c'est pas bon ça. Alors, ensuite. Alors, je me souviens plus de ce qu'il me faut là-haut. Donc il me faut 10. Donc je vais faire. Avec le 2, 4, 4. Ça fait 10. Ensuite, au-dessus, il me fallait un 5 bleu. Au moins 5 bleu. On va voir après. Ensuite, là, je vais mettre le 4 ici. Pour le 3. Ensuite, il me faut 10 rouges. Il faut 10 rouges, je les ai. 10 rouges. Ensuite. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Un 5 jaune. Est-ce que j'ai un 5 jaune? Non. Ensuite.
J'ai... En gros... J'ai 3, 6 et un 5. Alors là-bas, ça me fait perdre 2 vies. Est-ce que là, il y a un truc qui me fait perdre qu'une seule vie? Ouais. Donc je vais prendre un 6. Non, je vais même prendre le 5 que je vais mettre là. Et je vais mettre ensuite les 3, 6 ici. Donc la seule carte de case que j'ai pas, c'est la jaune. Parce que j'ai un 4. Attendez, il y a un truc qui demandait un 3. Non, alors attendez. Je vais plutôt mettre du coup le 6 ici. Hop. Comme ça. Ici, à la place du 3, je mets un 4. Et là, sur le 5, je mets un 5. Voilà, c'est bon. Donc je subis rien. Tout va bien. C'est gagné. Du coup, hop, je gagne soit 3 points d'expérience, soit un cube supplémentaire. Alors j'en ai bien 4 là. Hein. J'ai toujours qu'à 4. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Et là je suis à 4. Ça ferait 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ouais, ça me donne pas de vie en plus. Hein, donc, Non, je vais prendre ça pour le mettre là aussi. Donc ça me fait 7 sur 10. Ça me fait 7 sur 10. 1, 2. Et là je fais 1. Pardon. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Bon, bah, comme je l'ai révélé, il faut que j'y aille. Hein, c'est... Sinon, c'est pas drôle. Est-ce que je le fais? Parce que j'ai pas beaucoup de jaune. Je crois que ça me demande beaucoup de jaune et du bleu. Donc non, je n'y vais pas. Je vais faire 1, 2. Non plus. 1, 2. Allez, un piège. Oh punaise. Ça me donne que 2 d'expérience celui-là. Ça me demande pas mal de jaune encore. Oh punaise, qu'est-ce que je fais? Bon, je sais pas. Combien il me reste de cartes là? Non, on va aller 1, 2, on va aller réveiller ça. Oh punaise, y'a que du jaune partout. Non mais là c'est pas possible. Bon ben on refait 1, 2 pour revenir ici. Et on va essayer de faire ça. Attendez. Attendez. Est-ce que je refais celui-là? Oh les bleus, j'en ai combien les bleus? J'en ai 4. Les jaunes, j'en ai que 3. Non mais je vais faire ça, ouais, comme j'ai dit. Donc, on reprend donc 4 bleus plus 3 jaunes plus 4 rouges. 1, 2, 3, 4 rouges. Plus 2 noirs. Et je vais lancer 2 noirs supplémentaires. Ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. J'ai dit que je faisais quoi déjà? Je faisais ça. Juste hop, le mettre ici. Hop. Ok. Ok. Déjà, les noirs, là, je vais les mettre comme ça. Donc, il me faut déjà un 10. Un noir, il me sert certainement rien. Il y a un 3 jaune là, c'est ça, ouais, le 3 jaune, je vais pouvoir le mettre comme ça, je pense. Le 5 noir, bleu, voilà, là. Ensuite, ici. Alors, déjà avec mes rouges, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplir.
les trois cases qui sont rouges. Bon, peu importe, hein, de toute façon. Tac. Ensuite, j'ai du 5, j'ai du 6 et j'ai du 3 bleu. J'ai un 3 bleu ici. Et quand j'ai des 3 bleus, je peux relancer. Je peux lancer un dé noir. Ah, attendez, on va pousser tout ça. On peut lancer un dé noir supplémentaire grâce à cette capacité-là. J'ai un 6 supplémentaire. Ok. J'ai un 6 supplémentaire. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme autre capacité? Pour un dé jaune, je pourrais augmenter jusqu'à 4 de mes dés de 1. Pour un dé jaune, ouais, je vais le faire. Hein. Un dé jaune ici, je peux augmenter 4 de mes dés de 1. Donc lui, je vais le mettre à 5. Lui, je vais le mettre à 4. Lui, je vais le mettre à 6. Et c'est tout. Si celui-là, je vais le mettre à 6 aussi. Voilà. Et du coup, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, là-bas. Donc là, il me manque un 5 et un 6. Donc, je vais mettre 2 6. Et là-bas, il me faut un 10. 6 et 5, ça fait 11. C'est bon. Ok. Ça, c'est fait. Tac. Donc... mais là je vais affronter le monstre et voilà, j'ai gâché des trucs pour rien. Du coup je vais mettre un dernier dé bleu là. Cinquième dé bleu ici. C'est dommage. Bon, c'est dommage. Du coup tout ça, hop, je défausse. Attendez. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de moyenner en fait? Non, parce que j'ai plus beaucoup de vie et on va essayer de battre le dragon. Ok, donc du coup, on retourne côté dragon. Et là, ça va faire mal. Du coup, ça, voilà. Du coup, alors, si on récapitule, j'ai 4 dés bleus. 5 dés bleus. J'ai 5 dés bleus. 4. Des roses, 4 des roses et 3 normalement, ouais, 3 des jaunes plus un dé ici. Et je crois que ma capacité, par contre, ma capacité spéciale fonctionne pas avec le monstre, ouais, c'est ça. Donc je peux pas lancer des noirs supplémentaires grâce à ça. Si j'ai un 3 bleu, je pourrais relancer un dé. Enfin, je pourrais ajouter un dé noir. Ok, bon, bah écoutez, on va lancer tout ça. On va voir ce que ça donne. Alors, par contre, si je fais que des 1, je sais pas si vous voyez bien cette catastrophe. Bon, j'ai un dé bleu que je mets ici. Donc, je peux lancer un dé noir. Je peux lancer un dé noir. Bon, c'est un 6, hein, ok. C'est une catastrophe. Ok. Ensuite, si je mets un 1 jaune ici, je peux augmenter 4 dés de 1. Et bien, ça va être bien utile, dis donc, pour transformer des 1 en 2. Hein, donc, lui, ça devient un 2. Lui, ça devient un 2. Lui, ça devient un 2. Je pense qu'on peut pas faire mieux, pire comme... Et lui, ça devient un 2. On pouvait pas faire pire. Il y avait tellement de 1. Hop là, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter les dégâts? Pas grand-chose, je crois. Donc il faut au moins 2, 5 rouges. Donc je suis obligée d'utiliser cette 6 qui est là. C'est génial. Et ensuite, ben 16 et 17 quoi.
16 et 17 en bleu et en orange. Non, mais non. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, du coup, écoutez, je meurs devant le dragon. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas eu de chance. Juste sur le principe, j'ai perdu, mais je voulais juste relancer mes dés. Parce que là, j'ai fait que des 1. Je voudrais juste voir si c'était possible quand même de faire un peu mieux. Voilà, là, voyons. Voyons si on peut faire quelque chose de mieux. Donc, déjà, il y avait 5 et 6, là. Ensuite, 6 et 6, 12. Combien il me fallait pour les bleus? 16. 12. 16. Ensuite, en dessous, il fallait 17 en jaune. Donc là, j'ai 7. 10. 16. 17. Donc là, j'avais 17. Et ensuite, à côté, il fallait que des 6. Donc, j'aurais pas pu. Donc, j'aurais pris... j'aurais pris 3 dégâts. J'aurais pris 3 dégâts. Bon, je serais pas morte, mais j'aurais été presque morte. Bon, c'est déjà mieux. Mais... ça reste compliqué. Ça reste compliqué de battre ce méchant. Ok. Hop là. Donc on va s'arrêter là pour cette partie de One Deck Dungeon. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer à ce jeu. Je vais aller chercher un petit peu voir si je retrouve le dé, mais je pense que ça va être très compliqué parce qu'il est jaune et que j'ai beaucoup de mal à le voir. Et on se retrouve tout à l'heure pour une autre partie. On va prendre un autre perso. Je pense qu'on va prendre... On va prendre la guerrière, je pense, parce qu'elle a 4. Elle a 4 de force, enfin 4 de dés jaunes. Et j'ai l'impression que dans ce scénario, enfin, contre le dragon, il faut souvent du... Enfin là, les dés rouges étaient pratiques pour les pièges. Mais on peut voir ici, hein, par exemple, au troisième niveau, même au premier niveau, il faut du jaune. Donc on va essayer de prendre un perso qui fait plus de jaune. Et on va voir si on s'en sort mieux avec. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et à tout à l'heure pour One Deck Dungeon avec la guerrière. A bientôt sur la chaîne.